Dans cette vidéo, je vais vous parler de réception aéronautique sur les bandes HF, hein, et je vais donc vous présenter différents sites. C'est intéressant, hein. Donc, le premier site que je vais vous présenter, on va parler de fréquences HF civiles et militaires. Voilà, donc le site que je vous présente, je vous l'ai traduit en français, hein. Donc là, vous trouverez toutes les fréquences HF civiles et aéromilitaires. Voilà, donc et la mise à jour a été faite récemment, comme on le voit, le 25 avril 2022. Hein. Donc, un site assez intéressant. Voilà, vous trouverez toutes les fréquences. Hein. Voilà pour ce qui touche un petit peu aux fréquences un peu générales, on va dire, et militaires. Hein. Vous avez d'autres informations intéressantes sur ce site. On va remonter un petit peu. Voilà. Là, vous trouverez, comme vous le voyez, toutes les fréquences interurbaines de l'aviation russe. Vous avez les fréquences ACAR. Vous trouverez certains indicatifs d'appels militaires. Enfin, pas mal de choses intéressantes sur ce site. Hein. Donc, pour les EWL, c'est vraiment un site que je trouve intéressant. Hein. Voilà en ce qui concerne donc la présentation des fréquences aéromilitaires en HF. Hein. Ensuite, on va parler un petit peu de différentes zones aériennes mondiales hein, pour le trafic aérien. Donc là, je vous prends un petit site qui vous explique un petit peu ce que c'est, les différentes zones avec les différentes fréquences. Donc, je vous mettrai ce site-là et on va retrouver exactement les mêmes données ici sur ce site d'un SWL américain. Le site est vraiment très très bien fait et donc là vous retrouverez bah, toutes les zones avec toutes les fréquences hein, et vous explique un petit peu ce que c'est également hein. Voilà hein. Donc là toutes les fréquences en fonction des différentes avec chaque fois la carte hein, vous avez chaque fois la carte du trafic aérien donc ça peut être assez intéressant. Par zone, hein, pour vous montrer un petit peu la zone couverte, etc. Hein. Voilà, nous, ce qui peut être intéressant à écouter, ça va être ces fréquences-là, tout ce qui concerne l'Europe. Hein. Voilà un petit peu. Hein. Là, je pense que ces fréquences-là sont assez facilement audibles. Bon, avec un peu de chance, bien sûr, et surtout de la propagation, rien ne vous empêchera de pouvoir écouter d'autres fréquences. Hein. Voilà, donc ce site-là, je vous l'avais présenté. Je vais vous parler un petit peu également de réception Volmet, vous présenter différentes fréquences. Donc le premier site pour le Volmet, c'est celui-là. Donc Volmet, c'est des échanges météo pour les avions. Hein. Donc là, vous avez toutes les fréquences en HF. Et ce site-là, donc là. Très intéressant également pour les SWL à conserver. Donc, il vous explique un petit peu le contenu des rapports météorologiques, pardon, que vous allez pouvoir écouter avec les différentes fréquences en HF, en VHF, pardon, en fonction des aéroports. Donc, c'est une liste assez détaillée. Voilà. Donc là, pour le Volmet également, les fréquences. Et on va également avoir, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez. Hop. Vous allez également avoir des fréquences Volmet internationales. Hein. Qu'est-ce que tu veux, le chat? Hein? Désolé. voilà, là vous avez toutes les fréquences Volmet internationales. Donc, toute une série de sites vraiment intéressants pour les SWL et à conserver ça, je vous l'ai présenté. Ça, je vous l'ai présenté également. Donc voilà pour un petit tour des différents sites que je trouve intéressants pour tout ce qui concerne le trafic aérien sur les bandes ondes courtes. Hein. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à écouter. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.